Oh mon dieu, une backup a cancelé l'événement. On n'est même pas invité. C'est honteux ça. Enfin mon beau. Enfin. Ça fait 5 minutes que t'es là. Toi. Mais on démarre le live avant l'heure prévue et il dit enfin. C'est honteux ça monsieur. Alors ce soir comme on est sympa, on va pouvoir jouer avec vous. Salut le carton mou. On va faire du trivia quiz là. Et arrête de te casser les noix. Ouais mais j'ai faim. Cucu l'outre guéridon. Salut Lenny. Tous ces gens. Le début du live, ça va être toi, petit con de la VOD. Ah, t'es en retard. On a dit avant. Et. Tac. Non, c'est pas le bon. Celui-là. Salut Linkit. Il commence le live où? Bah, ici. Là. Salut Vardenf. Salut la putain de loutre FDP. Ça y est, on a deux loutres sur trois. Salut Ourang. J'étais en train de briefer notre nouveau modo mais il ne répond pas. Il répond pas, il répond plus. Salut Eve. Allez, vous pouvez commencer à rejoindre les gens. On va jouer avec vous. Je vais faire des quiz. Salut Dodo. Par contre, ça m'envoie sur le site, mais il n'y a pas de salon de créer, c'est normal. Ça t'envoie pas sur la salle jeux vidéo directement? Bah non. Ça m'envoie direct sur la page principale en fait. Bah choisissez jeux vidéo. Faut le marquer. Ouais. Je vais me faire un thé. Bah va donc. Je peux le spammer. Le jeu de billard, il s'appelait billard. C'est étonnant ça. Tiens, je ne connais pas ce jeu. Je ne connais pas un jeu où tu dois donner. Je ne connais pas ce jeu où tu dois donner comment ça s'appelle de la bouffe à des bouteilles de coca. C'est bizarre. Je pourrais rayer du diamant avec mes tétons froids. Tu as vraiment très froid. Pourquoi pas? Naha. Oh merde. La première. Ouais mais c'est pas juste, moi j'étais en train de régler le live. Moi je trouve ça pas. C'est normal qu'il y ait déjà des questions. Oui, c'est pas moi qui lance le truc, le site tourne en permanence en fait. Calmez-vous. N'essayons pas de tricher. Bah ça alors, c'était Deus Ex. Ça alors. Ah, oh, c'est mon jeu, ça. Et paf. Comme je savais pas lequel c'était, j'ai mis le nom du jeu et après j'ai fait tous les chiffres. Ça, c'est des techniques de petit journalisme. j'en ai jamais eu à moi des Mario Party. C'est quoi ce connerie? Ça, c'est un MMO, non? Sûrement. Ça a l'air d'être un putain de MMO. Ouais. Je viens pas, je vais encore me faire humilier. C'est pas grave. Ah, oh, mais viens donc te faire humilier. Ce mieux, c'est que personne ne le trouve. Hein. Est-ce que t'as. Par contre, est-ce que t'as Last mis des musiques de oui. fond? Ah, le dernier chaos.
sais que j'ai oublié comment il s'appelait ce jeu. Et 15 briques. Bah non, ah bah non, non, c'est pas ça. C'est le nom du jeu qu'il faut. Pas le type de jeu. Ah bah oui, mais là. Mais qu'il aille se faire. C'est Arkanoid. Bah évidemment, tout à fait. Il se foutait de ma gueule. Parce que j'y ai joué. Et Ethan ne l'avait pas trouvé. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Putain. High School Gay Yaoi, je sais pas quoi. Moi je vais essayer High School. Yaoi Music. Non. Music. Yaoi Hall. Jojo Adventure. C'était pas Yaoi Music Hall. Bah, Gakuren Seven, Boys of Crumbles, évidemment. Évidemment. Je sais même pas comment ça s'écrit. Ah oui. Et je viens de me rappeler qu'en fait, il y a un truc qui va me gaver, c'est que toi, tu tapes beaucoup plus vite. Ce qui fait que je vais perdre sur tous les jeux qu'on connaît tous les deux. Pas forcément, des fois je derpe. Hein. Ouais, ouais. Je vais perdre. Je sais plus comment ça s'appelle. Je connais très bien le titre, mais je sais pas comment ça s'appelle. Ça m'énerve. Comment ça, tu connais le titre, mais... Ah, tu connais le titre, mais tu te rappelles pas. Ouais. Bah ouais, voilà, tout simplement. Oh, ça commence mal. Ouais, mais je vais me faire niquer à chaque fois sur la rapidité. Just une bande d'idiots. Parle mieux, Elios. Le ça va vite, ça. Oui. Ça alors, il dit que c'est trop fort, fils de pute. C'est parce que j'ai un avatar, ça. Ouais. Ah ouais, j'ai pas le mien. Je suis pas loin de. Bah oui, bah c'est parce que je sais pas moi. C'est lequel celui-là? C'est pas Just Dance avec les lapins crétins. Putain, mais. J'en avais même jamais entendu parler de celui-là. Oh, il y en a eu tellement. Hein. What? On dirait un mode Silent Hill. C'est Silent Hill, mais alors lequel? Non. Mais c'est lequel? Je suis en train de marquer tous les trucs. Ah non, c'était Silent Santiago, d'accord. Oh la contrefaçon. Silent Santiago. Je tiens à dire que c'est dégueulasse parce que j'avais encore Silent Hill qui était tapé. Ah oui. Ouais. Rien à dire. Hein. Salut River Seven. Dis-moi que vous jouez sur La Brute ou Bite Fight. Ah oui, oui, non, mais c'est jeux, les vieux jeux de 2005, quoi. Les jeux où tu ne fais rien. Où tu te donnes. Ah ouais, mais je sais pas lequel c'est, moi. J'en sais rien. Tu peux trouver en. En piffant. Bah oui, il fallait rajouter DS évidemment. Tout à fait. Oui. Comment on fait pour rejoindre leur room? Faut rebalancer. C'est quoi ce truc? Ah ouais, mais il y a un sous-titre. Je me rappelle pas du sous-titre. Je sais que c'est un Harvest Moon, non. Mais. Merci du follow, salut, Timomo. Timomo. Ah ouais, Timomo, ça va. Il sereine. Faites des vrais jeux là. Il sereine, d'accord. Ça va me gaver. Non, vraiment, ça va me gaver. C'était toi qui avais voulu qu'on fasse ça. Tu prends une autre catégorie, tu vas voir. Oui, mais non, de toute façon, on fera pas de musique parce qu'on peut pas, de toute façon. Voilà.
Vous avez bien entendu que ce qui m'a empêché de taper vite, c'est que j'ai foutu ma main dans le micro. Ah ça va, pas toujours les mêmes, hein. Salut Ice Cookie FR. Salut. Mais sérieux? Oh là là, mais c'est dingue! Ça va me le faire pour tous! Merci du follow, Urang. Urang. Après, des fois, je prends des raccourcis. Genre là, j'avais pas marqué les Simpsons, j'avais marqué juste Simpson. Alors là. C'est rien du tout. C'est un nom à la con. Mais c'est pas du jeu vidéo, ça. Ça, c'est de la merde. Si, j'espère qu'il y a aucun d'entre vous qui a marqué Candy Crush. Dual Crust, Crush. Ah ouais, mais là... Qu'est-ce que c'est, ces jeux de con, au bout d'un moment? Ah, je me rappelle plus comment il s'appelle. J'y ai joué une fois. C'est même le tout premier jeu auquel j'ai joué quand j'ai touché une DS. Je crois que c'est un jeu Pokémon. Ouais, mais c'est... Je sais plus, c'est... Ah, c'était pas Rush, c'était Dash. Évidemment, tout à fait. Qu'est-ce... C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette merde? On distingue même pas ce que c'est. Ah, si! Sérieux, tu arrives à savoir ce que c'est? Ouais, mais j'ai pas tout le titre. C'est les fous du volant. Je connais pas. Bah je connaissais le dessin animé. Inconnu. En fait. Bah, mais si. Mais si. Oh mais comment, qu'est-ce qu'ils veulent marquer? Ah, ça va être, tu vas voir que ça va être des slash entre. Qui genre qu'il fallait marquer Ruby, Saphir, Emerald, voilà. Oh là là, mais ils sont cons. Mais les niquer. Ils ont été gentils, ils demandaient pas le sous-titre. Il y en a pas dans celui-là. Ah, ah oui, c'est le reboot. Pokémon Emerald. Oui, mais c'est les fautes de frappe, il les compte pas le truc. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont voir toutes tes fautes. Ah oui, non, mais ça je m'en fous. Ouais. Ça me gaffe quand ils font un titre complet. Parce que des fois, il y a pas Duke Nukem, c'est pas ce jeu-là. Ouais, c'est Duke Nukem. Ah ouais, non, le premier Duke Nukem, il ressemble pas à ça du tout. C'est merde. Le seul. C'est le seul auquel j'ai joué d'ailleurs. Le... Ah non, j'avais joué un peu à Forever, on m'avait prêté. Tout de même. Je suis un culte, c'est pas grave. Putain, il y en a 30 qui sont chauds pour faire du quiz ce soir, c'est dingue. Vous vous rendez compte que là, juste avec ce live là, on a explosé la fréquentation du site par... Par 30. Ouais, environ. Enfin non, pas par 30, parce qu'on est 13 et ils étaient 2, donc par 6,5 quoi. Faut revenir dans le salon de jeux vidéo là. Mais on n'en sort jamais. Bah moi il m'avait mis sur un autre écran. Ah je sais pas. Ah mais du coup il y a eu des questions. Il y a eu une. Et c'est bien comme ça tu peux me distancer. Ouais. Sérieux? C'est quoi le sous-titre? Le sous-titre est dans l'image. Bah je sais pas. Plus 4, mais vous cassez les couilles avec vos titres. C'est quoi ça?
Merde, je crois savoir ce que c'est. Je crois que c'est l'espèce de spin-off de Final Fantasy. Dragon Quest. Mystic Quest, voilà. Ça c'est pour notre cher Modo. Mais sérieux? Mais c'est pas Spirit Tracks? C'est parce que j'ai pas marqué The Legend of. Ouais, je m'étais fait piner aussi, mais... Un MMO coréen nul. Ah non. Non? Ah oui, qu'est-ce que c'est? D'accord, j'aime bien, c'est qu'il m'a dit « Attends la prochaine partie », alors... Guild Wars, ah d'accord. Il me dit « Attends la prochaine partie », alors que c'était pas encore fini chez moi. Salut Kuta. Salut à toi. Qu'est-ce que c'est que ce Sims? La terrible dessinatrice. Voilà. Guild Wars, un culte. Mais j'ai joué aux deux, moi, pas aux un. Oh. Moi, c'est le perso de gauche qui m'a tout de suite fait quitter. Ah bah c'était le jeu du jour du grenier, là. Durandal a vu mon film. Ah non, il compte pas, ça. Ce titre à rallonge. Putain, tu sais que normalement j'ai marqué à LTTP. LTTP. Ah, LTTP, A Link to the Past. Non, ça marche pas, ça. Enfin. Si, ça marche, mais sur les vrais quiz de jeu, en fait. Ah, je connais ça. C'est pas que des fous. Oui. Ça me dit quelque chose. C'est un jeu qui a été interdit, qui a fait polémique. Le jeu interdit. Avec des fous. Avec. Une. Oui, tu es la terrible dessinatrice qui dessine beaucoup trop bien. Polymouk. Putain, j'ai plus le titre. Ça m'énerve. J'ai plus le titre. Beyond. Non. Ça m'énerve d'avoir des bugs de cerveau comme ça. Attends la prochaine partie. Ouais, si tu veux. Si. Merde, j'ai... Non. Ouais, j'étais en train de le marquer. Mais j'ai bugué avec Time Crisis et un autre avant. Power Watch avec Tracer version homme. Mais c'est quoi ces gens qui n'ont pas de culture? Sur quel jeu? Beyond Good and Evil, je suppose. Quoi? C'est quoi ce bordel? Je sais pas, My Fitness. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que. Léa Passion. Ça doit être ça, hein. C'est Léa Passion médicaments, je sais pas. Ah non, les experts. Passion. Évidemment. Mais il n'y avait pas les lunettes aussi, on pouvait pas savoir. C'est quoi ce truc? J'avoue que si tu connais pas, tu reconnais pas. Ah ouais, mais moi je savais pas lequel c'était de Halo. Bah comment t'as trouvé? T'as juste marqué Halo? Bah non, j'ai mis Halo, Halo 2, Halo Reach. D'accord. Mais Halo moi Reach, celui hein. Que j'ai reconnu, c'est celui dans le fond, hein. C'est quoi ça? C'est un FPS sur N64, c'est tout ce que je sais. Alors, voilà.
Alors voilà. Je sais ce que je viens de marquer, sauf que j'avais mis un espace. Bah moi aussi. Putain, mais c'est dégueulasse. Oh, le pseudo Smash Bros pourri là. Comment ça s'appelle ce truc? C'est pas PlayStation All Star Battle? Bah, il me semblait. C'est ce que j'ai marqué. All Stars Battle Royale, là. Ça n'a rien à voir. Ah non, mais enfin. C'est parce qu'il y avait Royale en fait. Évidemment. Mais... personne ne joue à ce jeu. Faut vraiment être un frustré de Nintendo pour jouer à ça. Hein. Pas deux fois. Hein. Avec Jade. Elle s'appelle Jeanne. Jade. Ah, Jade. Parce que j'ai jamais joué. Je l'ai eu en gratuit, mais j'ai pas encore joué. C'est honteux, ça. Et ça. Je me rappelle plus du sous-titre. J'y ai pas mal joué en plus. En fait, pourquoi t'as 3 points et les autres on n'en a pas? C'est suivant si t'es premier, deuxième, troisième. Ah, t'as des points d'avance? Non, c'est... parce que là, j'avais répondu avant toi à la seule question qu'il y avait, donc je me demande. Hein. C'est ta rapidité de donne plus de points, mais et la suite aussi. Mais je sais pas après comment ça marche. Ah. Je vais dédos ce site de merde. Je suis frustré de Nintendo. Ah bah désolé. Je vais dédos ce site de merde. On va le dédos déjà rien qu'en se mettant à 15 dessus alors. Il va planter. J'imagine même pas quand on fera des gros lives. Qu'est-ce que c'est que ce merde? C'est pas Persona. Ah, c'est moi aussi, ça m'y a fait penser, mais... Persona Eve Edition. C'est pas Shin Megami Tensei non plus. Y'a personne qui a trouvé. Dramatical Murder, c'est bien un nom de truc japonais, ça. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Sérieux? Mais c'est lequel? C'est pas Adventure, c'est l'autre. Sur GameCube. Ouais, mais je le connais pas. Assault. Ouais, trop tard. T'as de l'espoir pour les gros lives. C'est sympa, prof. C'est sympa. Merde, mais c'est celui que j'aime bien en plus. Oh, mais putain. Pourquoi mon cerveau me dit merde ce soir? Fallait être plus rapide. C'est ce que j'ai marqué avec un espace, fils de pute. Oh. Ouais. Quoi? Ouais, il me manquait une partie la première fois, mais si tu veux. Ah, mais merde! T'avais marqué The Legend of? Bah oui. Donc là, je sais pas. Tu veux, hein? Ah. Seulement, je me dis, merde, mais comment on tape Quidditch? Moi, j'ai marqué Harry Potter, Quidditch, Coupe du Monde. Merde, comment ça s'appelle ce jeu, ce con? Je sais plus. Merde, y'a même que. Y'a le 3 qui est sorti il y a pas longtemps. Oui, oui. Tape le 3. Ouais, mais ça doit être le 2. Ah, mais c'est chiant.
Juste cause. Bah ah oui, c'était le 1 évidemment. En plus. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de con? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, celui-là, je le connais légitimement pas. Ce jeu n'existe pas. Red Ninja, End of Honor. Il y a eu Rangi Triche. Merde. Merde. Je me rappelle plus du nom. Ureng, il triche trop en fait. Ah, ça me gonfle. SCP, putain, c'était juste le SCP que je trouvais plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'une idée. Et Ureng, il va tricher. Une partie. Non, pas cette fois. Salut tout le monde. Salut le balai à chiottes. Salut. Ah merde. Thème Park World. D'accord. J'aurais jamais deviné. C'est quoi ce truc? C'est même pas un halo. Non. Regarde le perso à droite. D'accord, ouais. Et sur le moment, je voyais pas, c'était trop petit, je trouvais. C'est vrai que les images sont un peu petites. Meilleur jeu. Sur le moment, je me dis, mais comment on tape Hedgehog? Donc, je suis ravi que personne n'ait vu comment j'ai tapé Hedgehog. T'as mis Edge comme le. comme le. Inscris-toi maintenant. Mais non! Mais fous-moi la paix! Bon bah il m'a fait sauter une question. Non non, elle y est pas encore. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lequel? C'est sans mêler. Et parce que Harry Potter 6, ça compte pas. Non. Non, non, les chiffres comptent pas. Merci. Alors, c'est le seul jeu de course de Rockstar, mais je me rappelle plus comment il s'appelle. Ça n'existe pas. C'est pas Midtown Madness. Bah, on changera de... Ah non, pas du tout. On changera de catégorie après. Oh, Midnight Club, c'est pas loin. Ouais. Ouais. Si tu veux. Devine mes cris. Ouais. Troisième du nom. Ah oui. Sur le moment, j'ai cru que c'était le premier, mais. En fait... Avec Dante jeune comme non, ça. Non, c'est en fait, j'avais juste vu les trucs dans le fond et j'ai cru que c'était les marionnettes. C'est des genres de marionnettes. Oui. Mais je pensais au pantin du 1, quoi. Ce que j'aime bien, c'est que sur le moment, j'ai derpé. J'avais pas regardé l'image. Aise. Mais si c'est ça. Bien que le jeu il arrête de me dire il manque une partie hein. C'est peut-être quand tu genre si tu loupes un espace. Putain mais nique toi le jeu quoi. J'en sais rien. Non c'est pas Golden Sun. En même temps ça ressemblait pas au premier donc je vois pas pourquoi ça serait le deuxième. Mais Ah si, c'est l'espèce de STR à la con, là. Ouais. Ah non, je vois pas ce qu'il y a.
Ah oui, c'était Tactics Advance. Attention. Ah non, 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 moi j'aurais pas trouvé. C'est pas F1. J'aurais dit Grand Turismo, mais. C'est encore plus con que ça. Cars. Non. Racing. C'est pas forcément plus con. Mais je sais pas comment t'as fait pour le trouver plus tôt, alors que chez moi, t'as, dans le micro, t'as fini de taper plus tard. Bah, y a un lag aussi, hein. Et puis, tu me devances depuis sur pas mal de questions. Hein. Tu rigoles, j'ai toujours été en dessous au niveau des points. Ah, je crois que tu veux rien dire. Depuis qu'on a commencé à jouer, moi je suis dans les 5ème, 6ème place, hein, j'ai pas bougé. Oui, mais c'est parce que je parlais niveau rapidité. Bah, ça sert à rien du coup, seule rapidité sur ce jeu. Si, ça file des points, ça file plus de points. C'est juste que. Ouais, faudrait que le jeu soit au courant. La rapidité file plus de points et les bonnes réponses à la suite aussi. Seulement, c'est quoi ce jeu au design de merde? Et après, ah mais oui, mais je reconnais ce design de merde. Et après, faut trouver lequel c'est. Quel? Fais la technique. Bah, moi, la technique, elle ne marche pas parce que dès que j'appuie sur la flèche du haut, bah, le truc pour taper, il revient au tout début. T'as pas besoin de retaper le quoi que ce soit? Tu peux taper le chiffre plus un autre bout après? Tu peux marquer, tu fais Mario Party entrée et après tu fais 1 entrée, 2 entrées, 3 entrées. Mais. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est tellement impossible à deviner que c'est dans cet ordre parce que c'est complètement illogique. Je veux dire, normalement, tu retapes le truc, on va taper sur flèche du haut, il apparaît. Non, non, t'as pas besoin de retaper le truc. Une fois que t'as rentré le. Une fois que t'as marqué qui t'a dit il manque quelque chose, t'as pas besoin de tout retaper. Tu tapes juste qu'il manque. Ah bah, je suis pas au courant. Forcément, si je connais pas. Parce que moi, je me suis toujours emmerdé à tout retaper. Hein. Sérieux? What? Mais au bout d'un moment, il se moque le quiz. Ok, je connaissais même pas cette extension. Oh, mais. Enfin, je connaissais pas le sous-titre du jeu de base. Je veux dire, ils sont sérieux parfois de demander les sous-titres des jeux. Je veux dire, personne ne l'appelle Reign of Chaos, oui. C'est tout le monde dit Warcraft 3. Tout le monde dit Warcraft 3 et Frozen Throne, quoi. Bah ouais, qu'est-ce qui nous emmerde avec Reign of Chaos? Niquez-vous. Qu'est-ce que. Ah, il était cool ce jeu sur Wii. Ah, sûrement. C'est. Il y a quelque chose, confiance. C'est disaster quelque chose. Day of Crisis. Non, je veux pas m'inscrire. Donc on change de catégorie. Ouais. Alors, série télé, non. Enfin, oui, mais non. C'est dingue parce que c'est quand même aussi mon domaine, le jeu vidéo. Tiens, Dragon Ball Z. De où ça? Ouais, il y a une catégorie Dragon Ball Z. Alors si vous voulez, mais je vais être... là, c'est moi que je vais être dans la merde. Mais si tu veux. De... oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, faut juste marquer le nom des persos qui est sur le truc. Mais j'ai pas de questions.
Bah si. Ah bah si. Si si. Brocoli. Brocoli. Broly. C'était le nom de l'attaque. C'est le nom de l'attaque. Mais vous êtes. Mais vos mères. Attends, comment il s'appelle celui-là? J'ai pas vu. Je sais pas, mais il a pas de nez. J'ai le sang nez. Voldemort. J'ai pas vu l'OAV. C'est pas Voldemort. C'est drôle ça. Oui, mais j'ai. En plus, oui, c'est l'OAV qu'il y avait avec Raging Blacks 2, quoi. Il me semble. Iggy. Docteur Iggy. C'est Docteur Iggy. C'est qui ça? C'est super moche. Putain, on parle bien de Dragon Ball Z là. Mais pourquoi il y a autant de monde qui a trouvé? Mais qu'est-ce que c'est? Mais arrêtez! Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a tout le monde qui trouve. Supama. Supama. Non, c'est Supama. Oh, mais allez vous faire foutre. Oh merde, je sais plus comment il s'appelle. Je l'ai jamais vu. Il a un nom de merde, je crois, en plus. Pouette. Il est... Je crois que c'est un truc en I, en plus. I. Non. Yacon. 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 Mais c'est pas non. C'est l'épée sacrée, pas. En plus, je me suis trompé de nom, j'ai DRP. C'est pas la Z-Sword. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement là? Que voulez-vous de moi? C'est parce qu'il fallait mettre 100 Gohan. Est-ce que en plus je... mais Gohan, ça compte bande de cons. Surtout qu'à la base, j'avais marqué Goten comme un gland. Mais il est pas dans Dragon Ball Z, lui, c'est dans GT. Mais c'est quoi ce quiz de merde? Alors déjà que Gohan ça marche pas et il sort machin là qui est dans un putain de Dragon Ball GT. Il s'appelle pas la boule magique. Non, c'est un truc Shenron, Yu Shenron, ouais. Voilà. Je veux dire, c'est quoi ce quiz? Ouais, c'est juste Dragon Ball quoi. Oh putain, lui il est homo. Avant tout, Dragon Ball Z, c'est une aventure très, très émo, érotique. Cuiru moustachu. Je l'appelais Q, moi. Non, c'est pas Q. Lien du quiz. Mais putain. Ta-ta-ta-ta. Je m'en suis rappelé. En train de m'occuper du chat. Merci Eve. Merci. Putain. En plus, je crois que je l'ai mal écrit. Ouais, j'avais marqué Yanemba. Elle m'a volé des points. J'avais marqué Yanemba. Je me rappelle plus de son nom. Je sais que c'est la mère de Bulma, mais. Mère Bulma. Tu sais que j'étais en train de me dire en regardant la série ce matin, mais putain, ils ont un nom, ces parents. On va pas tarder à le re-savoir. Voilà, je crois que j'ai... Brief. Madame Brief. D'accord. Okay. Si tu veux. Non mais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que Vegeta et SSJ4, ça marche pas. Non, fallait marquer hein, Super Saiyan. Bah... Oh, c'est des putes. Non, mais c'est vraiment un quiz de merde. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, mais là, on fait comment? C'est... Non,
Non, mais. Sérieux? Putain, mais même pour ça, faut mettre du futur, quoi. Ouais, Non, non, mais. ils Va te faire foutre, veulent hein. mettre des trucs partout. Franchement, j'aimerais savoir qui l'a fait celui-là parce que c'est vraiment un con. Bah, c'est un truc participatif, c'est ceux où tu mets les. Tu rajoutes les trucs. Qu'est-ce que. Quoi? Faut pas chercher, faut mettre le nom des persos. Moi, je cherche une logique et du coup, ça me nique. Ok, à plus, River. À plus. Je sais même pas qui c'est. Mais si, c'est ça, mais il va te faire foutre. D'accord. Sangohan du futur. Mais putain, faut les rajouter Super Saiyan, mais merde quoi. Moi j'avais Super Saiyan, mais j'avais pas. Ça, je m'en suis rappelé celui-là, mais. Oh, mais il m'énerve ce quiz. C'est pas Apple? Non. Ah non, c'est un guignou. Je m'en rappelle plus de son nom. Ouais. L'homme boule commence à m'énerver, à se décharger à chaque fois. De toute façon, je connais pas lui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est le Kaioshin du lapin. Lapin Chine. Toto le lapin. Waouh! Mais il est sorti dans un hors-série, lui, c'est pas possible. Quand planète Kaio du Nord. Putain, oui, c'était ça. J'ai, en plus, comme je me rappelais plus, c'était quoi le Kaio qu'on connaisse, de quel côté c'était. J'étais en train de marquer toutes les directions. C'est un méchant dans Dragon Ball. De qui? Ah, le Toto le lapin. Non, je pense qu'il parlait de l'autre, du coup, maintenant Guignou. Non, non, le Toto le lapin. Le Toto le lapin, il est terrible celui-là. J'avais marqué Saiyajin. Saiyajin. En plus, Saiyajin, ça veut dire quelqu'un de Saiyan. C'est une personne Saiyan. Par contre, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je l'appelle Goten. C'est Gohan, mais je l'appelle Goten. Alors que pas du alors tout. Que c'est l'autre. Et là par contre, fallait mettre juste en Gohan, d'accord. Si tu veux. D'accord. Oui. Ah oui, vous n'avez toujours pas vu le gif en vrai à droite, c'est l'homme boule enfin. Et c'est parce que au début il y était pas. Sûrement, je crois qu'ils allaient lui demander le Kaioken x20. Je
Je sais pas où était la faute, mais ok. Ouais, il manquait un P, mais il l'a compté bon. T'inquiète, c'est le même modèle, Gohan et Goten. C'est Sangohan, Super Saiyan 2. Je m'en rappelle plus comment il s'appelle. Pourtant, il est connu. Mais c'est le vrai? Ça, c'est le vrai nom? D'accord. Oui. Tu reconnais pas sa non-croix gamée? Oui, non, mais d'accord, mais c'est. Oui, non, c'est dans un Persona. Il y a un personnage où c'est Hitler, mais dans la version européenne, il s'appelle Dictator. Oui, tu m'avais dit. Je sais bien, c'est qu'en plus... C'était dans l'OAV de la fusion. Mais si. Faut mettre les deux. Mais tout le monde s'en fout de Shao Zhu, quoi. Putain, mais moi je l'avais occulté exprès parce qu'on s'en branle de Shao Zhu. Et ça m'étonne qu'il demande pas Yamcha parce qu'on voit son bras. Putain, et le bras de Yamcha. Attention, c'est pas pareil. Ah, mais Shao Zhu, quoi. Même ici, il vient me casser les couilles. Te l'a fait lire. Ah, rien, ce perso. Putain, je sais même plus comment il s'appelle, ce connard, là. San Gogeta, SSJ4 x2. Ouais, c'était ça. C'était Gogeta. Putain, j'aurais pu le trouver en le marquant, en plus. Mais je pensais que ça allait pas de ça. C'est un R63 de Kaioshin. Ouais. VG Goku. Non, mais allez vous faire foutre avec votre non-culture. VG Goku. Faites les drapeaux parce qu'on rigole. Oui, les drapeaux. Ah, de l'Ouest. C'est fini. Ouais. C'est fini. Oui, c'est fini. On est sur le podium. Ouais, bref. Ouais, on va se casser parce que ce quiz est nul. Tu veux qu'on fasse quoi, les coups? Les Pokémon? Je sais pas, il y a drapeau, manga. En manga, ils vont sortir tout un tas de trucs qu'on connaît pas. Classique cinéma, animaux. Ouais, animaux à la limite. Extrait de film. Animaux histoire de s'énerver parce que tu vas marquer souris alors que c'est un mustélidé. Quoi? Voilà, moi je spam, voilà. Les animaux. Le lien. Il suffit de retourner sur la page du site et changer de catégorie, les gens. Hein. Il y a un tapissier de la réponse, mais il n'y a rien. Tiens, on va voir un Corrigan. Que c'est que ce truc? Une sauterelle sans pattes. Ah. Putain, c'était compliqué. C'était très compliqué. Mais. What? Je l'ai trouvé purement piffant, quoi. Ah, je sais. Qu'est-ce qui est. Le pire, c'est qu'on en avait vu ça au. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Tu sais, c'est bizarre parce qu'à chaque fois que je te vois dans un salon, t'es avec 3 points d'avance. C'est parce que j'ai répondu bien à la sauterelle. Tu avais répondu à ouais, la sauterelle. J'ai marqué sauterelle, j'ai vu que c'était bon, j'ai marqué feuille, c'était bon. Et bah bravo. Poisson pierre. Mais ça me gaffe parce que j'entends que tu tapes la dernière lettre après toi. Ah! Là, je fais la même tête outrée, tu vois. Que... Parce que je... Code mer, là, il est vraiment même en qualité mobile. Ok, le carton mou. On sait ce que c'est d'avoir une code mer.
Je serais curieux de connaître la réponse là parce que. Oui, Mister X, tu peux rejoindre. C'est le poisson d'herbe, ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, c'est moche. Si, mais pourtant, ça ressemble pas vraiment à ce que ça, à son nom. C'est un poisson c'est de merde. C'est un poisson chat. Tu ne reconnais pas le chat dans ce regard? Biu. Écoute ta merde. Elle s'est marquée libellule beaucoup plus vite que les autres. Ah là là, c'est un don ça. Oui, parce que j'ai marqué, j'ai mis un E en trop. Donc... D'accord. Non, mais c'est aussi con que ça. C'est un poisson fécond. Non. Tu sais, tu bois un poisson, mais avec la gueule de poisson fécond. Yeah! Il serait extrêmement content. Mais... Le poisson à moustache? Alors, je crois que c'est un. Ah, d'accord. C'est pas un poisson, d'abord. Non, mais tu as trouvé ce que c'était? Oui. Bon. Ok. Voilà, s'il faut la race. Chien. Oui, moi aussi, je tapais chien, mais bon. C'est des chiens. Ah ouais, mais c'est quoi ça? J'y connais rien, moi. Alors, c'est pas un truc espagnol, en tout cas. Non, c'est pas un husky. Non. Avec Utah, elle connaît tout. Un espagnol. Breton, attention. Ah bon? Bon, c'est un singe quelque chose en tout cas. Hein. Singe araignée. Hein? J'ai marqué. J'ai vu assez excellent, j'ai marqué plein de trucs. Puis j'ai marqué un putain de singe. Non, mais c'est quoi ça? Il a l'air tellement triste. Je ne sais pas. Oui. C'est pas un chien. C'était pas une bonne idée de faire des quiz. C'était l'idée de qui? C'était ton idée. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai tapé lapin avec deux A et deux P. Lapin. Et c'est pas un wapiti. Je truc de gluc. Marre. C'était pas un truc de gluc, je suis dégoûté. C'est un jeté de... C'est un émeu, je suis tellement fier. C'est pas un éléphant, pardon. Mais ta race, c'est un putain d'éléphant. Oui, mais lequel? Merde. Mais c'est... Il y en a que deux types. Non mais... Mais j'en sais rien, moi. Il y a Asie et Afrique. Bah ouais, mais je savais pas qu'il fallait mettre ça, moi. Ah, il a osé me dire droit dans les yeux, non, ça c'est pas un éléphant, quoi. Ah, mais merde. Je déteste ce jeu. Allez. Merde. De quoi? Si ça va changer après le à la fin de ce round là. Ça c'est l'image qui était pour moi. Si on fera les drapeaux un coup après. Fameux éléphant rouge. Les chapka. Il est tellement triste. Oui. C'est pas un singe. Bah c'est un singe mais c'est pas juste singe quelque chose quoi. Singe triste. C'est pas un singe. C'est pas la tristitude.
Colobé. Bah c'est pas un singe. Chien noir et blanc nié. T'as trop vite. C'est pas un marsupilami. Tape beaucoup trop vite. Il est sorti celui-là. Si. Ah si. Ah si. Ah c'était con. C'est un porc. C'était pas un cochon, c'était un porc. Ah oh, mais merde. Un singe qui a tout compris aux fans. GG. GG. Ah oui, mais ça c'est. Ah ouais, mais je sais pas comment on écrit ça, moi. Je sais plus comment ça s'appelle la sourasse, quoi. Sourasse de perroquet. C'est pas un ménat. Un ara. Ah, mais cette sourasse de perroquet. La grenouille. Rouge. Et là, je voyais, tu sais, tu passes en orange, tu sais. Une grenouille. Ce n'est pas une grenouille. Oh. Mais merde. T'es sérieux? T'as mis au pif. J'ai mis cerise et fraise. Et ça, c'est une grenouille feuille, tu vas voir. Verte. C'est pas grenouille, apparemment. Norace du doigté d'Alex, ferme ta gueule. C'est ce que j'avais marqué, Renet. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, nique-toi que t'as. Je sais pas. C'est un quoi? Moi je lui ai mis carpe mais ça suffisait pas. C'est pas un hibou à sourcils. Ce n'est pas un grand hibou. Surtout qu'en plus au début j'ai fait une faute, j'ai marqué hibou, après j'ai marqué grand cul mais c'est U. Il est tellement triste. Il est triste lui. C'est un chat fait de sable. Un chat bleu. Urang est riche. Ah un bah jaguar oui. Arrondi. Un jaguar arrondi. C'est un jaguar arrondi quoi. C'est pas un poisson. Vous êtes qui? Mais c'est un poisson ça. C'est pas un thon. C'est pas un thon. Non, c'est. Ouais. Donc, j'ai pas écrit parce que je savais que c'était pas ça. Un bar. Un bar. Putain, mais c'est vachement plus vert que ça un bar, non? Bon, bah, bon, j'aurais dû reconnaître. Piaf. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas un oiseau? J'aime bien seulement, j'ai marqué faucon. C'est pas bon, j'ai marqué un petit faucon. C'est clairement pas un faucon. Non mais seulement j'ai cru. Un linette. Un bol, une bolinette. C'est un petit bol. Yeah.
Mais putain, elle voit un loup, c'est dadad. Ah, c'est son âme de furie qui se réveille. Oui, c'est vrai, parce que la nôtre, elle est vachement endormie. Oui. Un serpent. Le pire, c'est qu'il y ait dans MGS4, E3, je crois. Un boa quoi? Un boa émeraude. Moi j'étais sur Python. Ils pouvaient pas mettre boa vert ces connards. Bah tiens, on va sur les drapeaux. Histoire de rigoler un coup à la fin. On en parle quand je tape appliquer décalmez-vous sur YouTube, votre vidéo tombe en second. C'est très bien. Ça c'est cool. C'est très très bien. Là par contre on va se marrer je sens. Drapeau. Alors ça commence. C'est pas... Mais si c'est ça. D'accord. J'aurais juré que c'était la Suède. Non. Ah bah non, la Suède c'est bleu et jaune. Oui. L'orage de mon Atlas. C'est sa TG. Ouais. Finlande, dans quel pays se passe Maïsemarka? Na. Le mec revient plus. Je sais pas, le Chili. Le Mexique ensoleillé. Le nouveau Mexique. Le Kurdistan. Ah ouais. Évidemment que c'est le Kurdistan. Oula. Zimbabwe. Non, je crois pas qu'il ressemble à ça en plus, le drapeau du Zimbabwe. L'Ouganda. Oui, il y en a qui connaissent. C'est l'Ouganda, merde. Dominique. Hein? Mais c'est un prénom ça. Mais c'est quoi ça? Mais c'est... attends, mais c'est... ça c'est un drapeau d'État américain ça. Un bœuf. Ah non, c'est un bison déjà. Ouais. Bison. C'est pas bison. Bison futé. Oui. Mais il y en a qui trouvent, c'est ça le pire. Qui connaît le Wyoming, Wyoming? Mais qu'est-ce que... Mais regarde, mais même eux, ils savent pas ce que c'est, il a fait un point d'interrogation, les... Oui, oui. Le Boukistan. Mais l'autre guéridon, en plus, il sait, quoi. Arrêtez d'utiliser Shazam sur vos téléphones et répondez vraiment. Les Samoa. Très bien. La Turquie vers le bas. Turquie Libiba. Les drapeaux de merde. Le pire, c'est qu'il y en a qui trouvent, quoi. Ah, j'ai marqué un pays d'arabe, n'est-ce pas? Et c'était pas ça. L'Amérique du futur. Plus Ouganda. Non, c'est pas la Mauritanie. Je suis même pas sûr de l'avoir déjà entendu en tant que vrai pays. Ouais, la Mauritanie, ouais. Ça, oh, ça peut chanter, ça va être le Zimbabwe. En tout cas, c'est un truc africain. Ça ressemble à rien, surtout. Hein. Si, un bouclier avec des lancers des plumes. C'est la bougnouille. Stéphanie de Monaco. Swaziland, oui. Je connais même pas. Ça n'existe pas, ce pays. Il y a marqué quoi? Je vois rien. Je sais pas. T'as des trucs en espagnol. Pour moi, à gauche, c'est marqué non plus. Oui, voilà. Et à droite, oui, pareil. En haut, moi, je vois Patrick Libré Pentem. Patrick Melia. Melilla. Mais ça existe pas. Mais oh c'est quoi ce... Attends, il y a marqué quoi, là? Mui... Norio... Léal...
Et il y a deux piafs sur un bateau. Bon. Je veux dire, on pourra arrêter là. Hein. Le paradis. Lisbonne. Le régime de Vichy. Ça a dû faire, c'est africain, ça c'est arabe. Oh la vache! Putain, le manque. C'est pour les daltoniens. Manque de goût. Tu crois qu'au bout d'un moment on va avoir le drapeau de la pansexualité et tout? Il y a F qui implose. Oui. L'Aigus Prodeni. Ouais, c'est ça. Sierra Leone. Si tu veux. Oui, mais en même temps, si on fait toutes les colonies, après, on n'en est plus sorti, non? La petite Angleterre. Hans Zimmer, non. L'Italie en négatif. Territoire antarctique britannique. Mais niquez-vous bien. Mais si vous voulez, les gens. Hein. Oh là! Le collage tu crois que... maternel. Tu crois qu'il faut enlever la languette pour se révéler le drapeau? En fait, c'est un chewing-gum à la menthe dans son papier. Et tu sais, et t'enlèves la tablette du papier. Qatar. Je nomme Qatar, pays avec le drapeau le plus moche. Ah, il y a la Libye qui est pas mal. Oh là là, mais... Arrêtez de nous faire les colonies de merde, là. C'est pas vigilate. Putain, c'est dur. Bah oui, mais c'est complètement con, en fait. Les îles vierges britanniques, mais... Ils vont arrêter de tout coloniser, les Britanniques. Mais c'est... Oh là là. Mais c'est quoi, ça? Regardez, ils ont fait leur... Ils ont fait leur drapeau en petit sur chroma key et ils ont oublié d'enlever le décor. Et ils ont mis un mec dessus. Ceux qui créent les drapeaux, c'est vraiment des cons. Hein. Non, c'est pas l'Ouganda. Je l'ai marqué quand même. La Zambie, quoi. J'aime bien, c'est quand même, tu sais que le truc est bien quand le deuxième il a moins un point. Ça parle à tout le monde, ça. On va peut-être arrêter les frais sur les quiz et les drapeaux. Ouais. Le pire, c'est que je me demande si c'est pas le l'Ouganda en plus. Non, je pense que c'est simplement de la merde. Je veux juste voir c'est quoi celui-là. J'ai un pote, il a des origines du Qatar. Donc il a beaucoup d'argent. Et il a un drapeau de... Ah non, Saint-Christophe et Nieves. C'est de la merde. Donc du coup, on va regarder... Drapeau... Ouganda. Voilà, donc le drapeau de l'Ouganda, il ressemble à ça. Et le Zimbabwe, si je me rappelle bien, c'est un bouclier avec deux lances en croix. Peut-être. Ah non. Mais c'est un autre... Attends. C'est lequel, celui que je veux visualiser, alors? C'était Jacques Cartier en 1500. Ah, c'était le Kenya, voilà, que je visualisais. Le fameux. Et il dit que c'est les préjugés. Le 621 en suggestion, ouais oui. De toute façon, il est dans mes favoris depuis longtemps, hein. C'est pas comme si je le cachais. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Moins que t'as envie de... Ah, c'est bien ça. Moins que t'aies envie d'aller sur Tabletop faire quelque chose, mais... Ouais, c'est bien beau, mais quoi? Ah, là, plus qu'il garce. Toi, tu vas retourner à ton jeu de bagnole, toi. Bah oui, mais si tu veux encore faire autre chose. Je veux dire, sur un live de 4h, on est à 1h11. Regardez le live sur la tablette de Tabletop. Ah oui, c'est un
gros concept. Hein. Ça va faire un Liveception, ça va être bien. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire sur Tabletop? Tiens, attends, je sais ce qu'on va faire déjà. Je vais mettre la fenêtre Steam en capture. On va aller sur Tabletop et on va aller dans le workshop. Non, pas Cards Against. On a beaucoup trop fait Cards Against. J'ai pépé Cards Against. Oui, ça date, mais j'ai pas spécialement envie de d'en refaire maintenant. Qu'est-ce qui date ? La dernière fois qu'on a fait un Cards Against en live. Oh oui. Mais bon. Ça coûte combien Tabletop sur Steam ? Je sais plus. Il est en promo, le Worms qui nous intéresse, mais il est toujours trop cher. Il est à combien là? Il est à 20€. Putain. Sur Steam, il est à 20€ Tabletop, mais il y a moyen de l'avoir moins cher. Il y a un qui est avec juste Nicolas Cage, mais avec oui, plein sais, de mais il est... Go to Manji. Non, le jeu en lui-même est hyper chiant. Il y a pas vraiment de truc à faire. Ouais, c'est genre des défis nuls. Poker TUD, ouais, on va faire ça, tiens, c'est une bonne idée. Go Street Poker, oui. Hearthstone, bah oui, c'est vrai. Pourquoi s'emmerder à jouer à une sous-version d'Hearthstone dans un jeu payant alors que Hearthstone est gratuit? Un Monopoly Minecraft. Truc long et chiant. En fait, il y a eu des Monopoly pour tout. Bah, en fait, c'est des. Là, c'est des trucs custom, donc. Non, mais en vrai. En vrai, il y en a pas mal, ouais. Le Nintendo est plutôt joli. C'est qu'il y a quand même des trucs dans le workshop, c'est un modèle de chapeau, quoi. C'est-à-dire, tu t'amuses pas longtemps avec un modèle de chapeau. Bah si, regarde TF2. Oui, mais là, il y a qu'un seul chapeau et tu peux rien faire avec. Oh, chiant. À la limite, tu peux le porter, mais bon, pas pour un live complet. Mmh. Putain, mais il y a un... Il y a un jeu dans Tabletop qui s'appelle Secret Hitler. Ah ah, devinez qui est Hitler. Ça se trouve, il est marrant, mais j'ai pas envie d'apprendre un jeu. Re le carton. Ouais.
Tiens, tiens, le Scrabble. Ta mère. Ta mère. En 6 lettres. Il y a un truc, il y a un props dans le jeu, c'est un cimetière de cartes, mais où c'est en forme de tombe. Pour te défausser. Pain jus modèle. Oui, il y a des modèles de pain jus. Oui. Enfin, de Pingu, du coup. Et... Quel intérêt d'avoir une Ouija ? Non, tabletop. Il me laisse met à bouger et tout et t'invoque des démons. Le mec en bas à droite, ça vient d'Undertale là. Oui. Trip CS en 1v1, oui, tout à fait. Il y a du strip non et du CS non. Il y a des modèles de Cheetos. Indispensable. Il y a des cartes pour jouer au pierre feuille ciseau. Sinon tu vas repartir sur le jeu de bagnole toi. Bah si on trouve rien oui mais. Ah, à la limite, si. En pas tabletop, on peut faire un loup-garou. Il y a un site pour, il me semble. Ça va pas être chiant, organiser ça. Ah si, parce que faut quand même connaître toutes les règles. Oui. Ouais. Faut avoir ouais, une autre chose, ouais. Puzzle avec le Yoshi citron vert, oui. On va pas faire. On va pas faire du. Des puzzles. Enfin. Je vais continuer FF6. Et tout le monde qui va se barrer. Ouais, surtout que là en plus faudrait changer de. Faudrait couper le live et le relancer. Ça, ça prend 2 secondes. Mmh. Il y a une version secrète du jeu Secret Hitler où c'est Secret Dio. Et c'était lui, Dio. Et c'était lui. Tiens, attends, je vais retourner premier truc et je vais voir ce que c'est le, comme jeu le Secret Hitler. Parce que c'est quand même le troisième jeu le plus téléchargé. FF6 avec Léon. Comment ça? Oula. Le jeu a l'air pas mal en soi, mais il a l'air complexe. Il y a Kingdom Builder dans Workshop, c'est un super jeu. Ouais, mais faut pas que ça soit un. Faut pas que ça soit un truc où on est. Où on est. Comment ça s'appelle besoin d'apprendre le jeu.
Faites comme Jackie, des QC qu'à 10 euros et vous finirez en prison pour avoir upload une vidéo. De toute façon, j'ai pas d'alcool. Via le site, le seul truc chiant, c'est de se connecter, sinon c'est bien expliqué. Ouais, mais déjà, ça va être dur de faire un truc à la zobe si on... sans l'avoir prévu. Ni l'avoir testé, d'ailleurs. Est-ce que t'as... Là, t'as pas d'autres jeux coop d'installer? Là... Pas tellement, non. Ou alors des jeux qui passeraient pas. Là, j'ai rien qui passerait. Lethal League, ça passerait? Ou alors tu l'as pas? Il me semblait que tu l'avais. Je l'ai pas installé. Bon, il doit pas être bien lourd, mais... Bah, avec les persos qui bougent tout le temps, avec les effets et tout, ça va être le merdier, ça. Possible. On peut tester Timberman. Ça se joue à deux, ça. Je sais pas s'il est installé. Il doit faire même pas 100 mégas. Oui, il est installé. Vas-y, ce sera toujours ça. Un peu trop. Pour avoir cette interface, t'as fait comment, Steam? C'est un skin. C'est un skin qui s'appelle Metro, je crois. L'interface, j'ai l'impression que c'est la même team qui a fait le jeu de zombies là. Zomboid, Destructoid, ah, je sais plus. Affectionator. Il était cool. Il y a pas de perso débloqué. Mais j'essaie de revenir au début. Ah mais... Allez tiens hop. Je ne sais pas du tout comment ça se joue par contre. Ah, moi non plus, ça tombe bien. T'as choisi un perso? Oui et ensuite... Je sais pas, moi je vois écrit waiting for ready. Alors bon, je suis mort d'épuisement après avoir tapé 3 fois sur mon arbre. Non, je crois que tu t'es pris la... Je crois que tu t'es pris la branche. C'est de la merde ce jeu. Comment ça marche? Ah, ça...
ça se joue avec ouais, A et D. Souris, ou... Ouais, ou A et D. Moi, je joue avec... Oh la vache, d'accord. Faut... J'ai cliqué sur... Bon, faut que tu cliques sur le bon côté, pour pas te prendre la branche. D'accord, moi je croyais que c'était clic droit. C'est clic gauche et clic droit, du coup. Ça me semblait, hein. Non, rien, mon perso. Ah ouais, d'accord. Mais... je sens que je joue au clavier, moi, parce que c'est chiant. C'est quoi les touches clavier? A et D. Je sens venir les parties en dévier, quoi. Mon perso est mort. En allant du côté de la branche qui était déjà au sol, il s'est pris la branche de plein fouet en allant de l'autre côté. Et du coup, tu t'es fracassé. Oui. C'est tellement il tape comme un bois en mode. Paf. Ah, il pétait la branche. C'est de la merde ce jeu. C'est de la merde. Oh putain, c'est quoi ça? J'en sais rien. Ah oui, mais je suis dans la merde moi avec ma souris qui fait des doubles clics, faut que je joue au clavier. Je vais faire plus de scores. Ah, oh, mais merde. On va faire un live de minutes du coup. C'est marrant ça. Mais... J'aime bien ce que t'as gagné parce que tu m'as laissé jouer comme un con. Ah non, j'essaye aussi, mais... Oui. Il a fait trop vite. Mais j'ai pas vu, on a le même arbre? En théorie, vaudrait mieux que oui. En théorie, oui, d'ailleurs, y a pas de raison qu'on n'ait pas le même. Sinon, ça serait pas juste. C'est dingue le nombre de skins qui. Oui, juste en train de switcher un peu. Ouais, j'ai pris ma chaîne d'ours, moi. Ça, genre, je lui fous des taquets à l'arbre. Je lui fous des taquets. Ah, le skin de monsieur l'ours, il est trop bien. Oh putain, mais au bout d'un moment, faut faire des gauche-droite. T'as une belle petite hache de rose. Ta gueule. Ta gueule est coupe. Alors que moi, je peux taquer à l'arbre, je lui mets des grosses mandales d'hommes, quoi. Ta gueule est coupe ton arbre. En plus, il est pas content, mon perso. En plus, je viens de trouver une technique, c'est que comme tu derpes beaucoup plus vite que moi, bah suffit juste que je joue en rythme et que j'attends que tu te prennes l'arbre. C'est quoi ce truc? Ah d'accord, tu le piques. Et tu te prends l'arbre, ok. Ce lapin est un gros bébé. Oui. Putain, mais des fois je le derpe en passant du, bon, du mauvais côté, quoi. Ça, je me suis tapé sur la branche. Oui, ça, c'est ce qui m'arrive tout le temps. Ah, mais... Trop vite. C'est qui que vous avez offert ce jeu? Je sais plus. S. Pas S du tout. C'est le
perso qui allait pas. Ouais, je pense aussi. Ah merde. Cette arme. Non, on n'a pas le temps. On a pas le temps de couper les arbres. Mais normalement c'est pas comme ça que ça se coupe un arbre. Ça y est, on commence à prendre le truc. Ouais, c'est aussi que les arbres sont plus simples. Ouais, aussi. Ok. Non mais c'est live qu'on fait. Bon allez. Casse les couilles. Il y a tellement des persos. Oh merde. Ça me gave. Il y a un Gabe Newell avec une crowbar. Évidemment. Putain, mais il y a plein de persos qu'on n'a pas... Il y en a tellement qui sont juste pas débloqués. C'est quoi ça? D'accord. C'est moi ou j'ai un sextoy au bout de mon bâton? Non, je crois que c'est une lance africaine. Je crois que j'ai un perso très raciste. T'as le Père Noël africain. A plus, Mister X. A plus. Tiens, je reprends le vieux con. Moi je m'en fous, moi, je suis avec une ventouse à chiottes. Ah merde. Voilà, bah, qui ne t'a pas sauvé d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? De quoi? Mon perso il... Et quoi? Bug en fait. Comment ça? Il fait que des gauches-droites à l'insu de mon plein gré et il arrête pas de changer de perso en fait. D'accord. Tu le vois pas changer? Si, si, je le vois changer. Si, si, mais. Du coup, j'arrive pas de me faire piner parce que ça arrête pas de faire des gauches-droites sans que je le veuille. Ils ont réussi à mal coder le jeu. Ce serait étonnant ça. Je suis toujours en sélection de perso, j'ai l'impression. Mais enfin, je le vois pas changer, moi, je vois le perso de base. Bon, c'est bon. On va pas faire ça toute la soirée. C'était quand même un très gros jeu. Oh. Le pire, c'est qu'il y a un mode single player, quoi. Genre, je suis sûr qu'il y a une histoire et tout. Il y a du background, il y a des DLC. Ah, j'ai un nouvel objet dans mon inventaire. L'âge de Luc. Non, je dois avoir une... Voilà, j'ai une carte. Et est-ce qu'elle valent cher? Évidemment que non. Les Rocket League. Il y a le carton mot et prof qui sont en train de faire un RP de volage de stylo dans le chat.
Bon, ils font de mal à personne. Mais... Oui. Et Mystery, t'avais pas déjà dit salut il y a 10 minutes? Ben si, il a dit qu'il se cassait. Parce qu'il est encore là. C'est parce que Timberman est chiant. Oui. Oui, enfin, c'est histoire de le tester. C'est marrant, mais bon, ça fait un petit peu jeu que tu fais dans le métro sur ton téléphone, quoi. Et encore pas longtemps, ouais. Parce... Tu crois qu'il y a des joueurs pros de Timberman? Il y en a un. Non, il y en a deux, ils font des versus. On les verra à la GDQ. Oui, c'est un jeu mobile, oui, c'est pas étonnant. Donc pas de tabletop. Là, y a rien qui me dit.